boss a dit qu'elle lance. La banque, c'est là-bas, rien que là-bas. C'est là-bas, c'est seulement là-bas. Comment? Quand tu trouves où ça fait mal. Oui, là-bas, un voutou. Non, et va mettre moi le volume là. Un voutou. On va seulement être là-bas. Non, on va finir avec un voutou seulement là-bas. Je te dis. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Ça fait mal. Comment? Ok, j'ai dit que un voutou pas seulement. C'est là-bas, ce n'est pas ailleurs. Tu vas aller habiter la maison. Et vous devez aller habiter la maison qu'elle nous a postée. Maman, elle vole même sur Internet. Les images sur Internet. Elle vole les images sur Internet, le vol de ça. Quand je dis qu'elle vous touche, c'est une braqueuse. Les gens, là, envoyez les cœurs, les gens. Les gens, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Hein? Une ancienne prisonnière, elle aura toujours le réflexe d'aller voler. Comme elle n'a pas pu, comme elle n'a pas pu voler au Cameroun, elle a fui, elle est rentrée en France. En France, comme tout est barricadé, elle vole maintenant les photos. Elle vous vole maintenant les photos. Dès qu'on l'attrape, elle est supprime. Dites qu'elle vous de remettre la photo, les vaches. Mes gens. C'est seulement sur ça que nous on s'accroche. Le malheur de ce voleuse de photos de maison. Se filmer à côté de tous ces meubles là. Voleuse. Meubles là, elle est assise. Voleuse. C'est même Photoshop. Si elle se filme à côté des meubles là, c'est Photoshop. Mais Emma, le problème c'est que tu comprends, elle a pris la photo de la maison de quelqu'un. Oui, c'est ce qu'elle dit donc, on a l'autre, j'ai vu ça non. Quelqu'un où c'est Chopin elle-même qui partage à quelqu'un comme ça. Juste à Mathe Chopin, juste à Mathe Chopin dit que, elle fait le poste que, Guylaine, dis à ta copine, un boutou que non vie au Cameroun, non vie au Cameroun, c'est la réalité. Parce que voici mieux, voici chez moi. Vas-y, chez moi, je suis en train de rentrer chez moi. C'est ça. Hein? Tout le monde sait que ça, c'est l'axe présidentiel. Hein? S'il n'y a pas le mensonge dedans, tout le monde sait que je suis à une minute de la présidence. Hein? Voilà. C'est pour ça que Matt a dit que non, vieux, c'est la réalité. Oh. Chopa, dis, bipez-moi, Matt, Chopa. Ma côte a du clash. Bipez-moi Mathe Chopin. À partir d'aujourd'hui, bipez-moi Mathe Chopin. À partir d'aujourd'hui. Regarde l'internet. Non, c'est-à-dire. L'ombre même de quelqu'un passe assez toi. Bipez-moi Mathe Chopin. Parce que la battante, la battante. Je ne sais pas qui allait voir que. Je ne sais pas qui allait voir que la femme là a pris les photos sur Instagram. Juste à donner le nom de la dame. De l'Instagram de la dame qui a publié les photos de chez elle. Je dis, hein? Bipez-moi, Mathe Chopin. Mathe Chopin a fait le poste que j'ai dit à ma copine un voutou d'arrêter la mythomanie. Aïe! Bipez-moi, Mathe Chopin. Nous devrons écraser Malène un voutou. Malène un voutou, je t'avais dit que tu ne peux pas. Tu ne peux pas, je t'avais dit que tu ne pourras pas. Quand tu t'attaques à un patriarche, tu t'attaques à la femme qui le fait avoir le goût de vivre. Même Dieu va te détruire. Même Dieu va te détruire. Hein? Ben, je prends les glaces. Mets d'abord les glaces rapidement au congèle. Mes convives vont prendre de la glace. Côte d'or. Et vous tout. J'étais encore aux courses tout à l'heure. Parce que je reçois ce soir. Tout ce que j'ai dépensé hier, c'est petit. Tu entends, hein? Un voutou. Assambo Woma. Un voutou. Bonsoir, oh. J'ai seulement dit que tu m'attendes. Tu pars où? Ah, pardon, j'ai dit que attends-moi seulement. Non, il y a les choses dans la voiture. Hé, maman, je vais te taper. Toi, je vais te taper. Je te dis, je vais te taper. J'ai dit que je vais te taper. Un voutou.
mes gens partagés. Pardon, mes gens partagés. Eh, il faut que... Ouais, le... Emma, mets ta musique là sur le machin, si, pardon. Eh, vous tous, je suis là avec ma famille. Parce que mon petit frère ici. Je suis là avec ma famille, mon petit-fils. Ouais, le nounou. Le nounou est où? Le bébé de mamie est où? Le bébé de mamie mange. D'accord. Le bébé de mamie est en train de manger. Pardon. Tout le monde a main à la pâte. Parce que les gens mangent à 18h. On a 10 personnes qui mangent à 18h. Hé, hé, hé. Comme les Bamilékés crient souvent mes gens. Hein, vous tous, je t'avais dit que... Hey, mes gens, comment vous pouvez aller voler? Hein, vous tous, voici ma maison. Hein, vous tous, voici ma maison ici. Hé, hey, Azambo Wama. Hein, vous tous, Nadjamni. Hein, vous tous, voici ma maison. Hein, vous tous, c'est ma maison ici. Oh, ha! C'est ma maison ici. Un voutou, voici. Un voutou, voici ma maison. Voici ma maison. Avec une robe Valentino sur moi. Et les sabots Gucci. Un voutou, voici ma maison. Hein? Au lieu de... C'est ce qu'elle dit. C'est ce que je n'ai pas dit. Un voutou, c'est ma maison ici. Voici ma maison, un voutou. Tu as compris, hein? C'est ça. Ça, c'est, regarde les couches. Les couches de mon bébé, de mon miminou. Voilà les couches, voilà son huile. Où c'est, son huile de palmiste. Un voutou, voici ma maison. Voilà ma chambre. Tu as vu une femme de valeur. Tu as vu une femme de valeur. Est-ce que tu as vu une femme de valeur? Un voutou, voici la femme de valeur. Voici ma maison. Voilà ma chambre. Je fais ça avant de te laver correctement. Un voutunda zamni. Voici. Regarde là. Regarde la bassine. Voilà la bassine de mon petit bébé. C'est là où mon petit bébé, je le lave tous les matins. Ici. Tu as vu, non? Tu as vu son fessier? Je dis à un voutou. Je vais te laver. Je vais te laver. Ouh, non, 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 non. Tu as vu ma maison? Oui, c'est ma maison. Elle est à moi. Personnelle. Tu as vu? Elle est en moi et fait ma joie. Pendant que... Viens, vole les photos ici au moins. Vole au moins les photos ici. Hein? Tu ne peux pas... Pardon, retire. Il y a le porc à braiser. Il y a le poulet à braiser. Il y a le poisson à braiser. Il y a les saucisses de poulet. Saucisses de poulet. Les saucisses de bœuf. Et il y a encore quoi à braiser? Les boulettes de viande. Mais les boulettes de viande, c'est moi qui les fais. Fais seulement, sors les viandes, sors le porc, tu assaisonnes. Et tu sais que le porc, on doit le cuire avant. Oui. Voilà. Un voutou. Tu as vu? Asamba. 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 Je sors du marché. Je sors du marché. Un voutou. Tu insultes le président de qui? Tu insultes la première dame de qui? Asamba. Je suis en Valentino. Ma soeur. Je suis en Valentino. Robe Valentino. Tu as vu? Valentino. Hein? Avec la sabot Gucci au pied. Hein? Robe Valentino. Avec de la dentelle et les paillettes en diamant. C'est à moi. Et qui est? Ah. Un voutou. Ça, c'est à moi. Valentino là. C'est à moi. Regarde la robe. Valentino là. C'est à moi. La Gucci. La Gucci au pied. La sabot Gucci au pied. Attends, je te montre. La sabot Gucci au pied. C'est à moi. C'est la mode été. C'est ce que Gucci a sorti été de l'année dernière. C'est à moi. Tu as compris ça? C'est à moi. Je suis allé faire les courses. Parce que j'ai le plus grand PDG du Cameroun.
qui va manger chez moi ce soir. Le plus grand PDG. Le projet le plus grand du Cameroun. Le PDG. Il mange chez moi ce soir. Il y a 10 personnes. Voilà ma maison. Un voto. La robe, c'est à moi. Tout ce que tu vois là. Tout ce que tu vois là, un voto. C'est à moi, oh. C'est à moi. Attends. Attends, attends. Tout ce que tu vois là. Tout ce que tu vois là. C'est à moi. Ce n'est pas à quelqu'un. Attends, je te pousse. Tout ce que tu vois là, c'est à moi. C'est à moi. Tu as compris, hein? Avec quoi? Quand tu ouvres encore ici, c'est la même chose. Tout ce que tu vois là, c'est à moi. Quand tu pousses ici, tout ce que tu vois là, un voutou, c'est à moi, oh! Jusque de l'autre côté. Si je vais encore dans l'autre chambre, c'est toujours à moi, toute seule. Prends l'argent. Prends. Fais vite. Oui. Attends un peu, je t'ai donné combien? Toi, achète le shampoing de 4000. Voilà, c'est bon, non? Voilà. Et vous, tu as dit tout ce que c'est à moi, hein? C'est à moi. Si tu pars encore dans l'autre chambre, tu vois, c'est toujours à moi, hein, vous tout. Regarde. Regarde. Encore le plat. C'est toujours à moi. Ici, c'est toujours à moi. Ici, c'est toujours à moi. Ici, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, c'est toujours à moi. J'attends le bébé. Tu as compris ça? C'est toujours à moi. C'est toujours à moi. Tu as compris? C'est à Chapuis. C'est à Chapuis. Et tout ça sera vidé quand je monte en Beng là. Quand je monte en Beng, ça sera vidé. Tu as vu mon ça? Oh, 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 oh. Le cadeau de la première dame que tu as publié, sale pute. Sale mytho. 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 Emma, pardon, donne un coup là-bas pour que ça marche vite. Très, très vite. Appelle Tata Rose. Appelle Tata Rose. Dis-lui que je suis derrière là, pardon. Attendez, mais des choses méchantes. Attendez, j'enlève la Gucci que j'ai au pied là. Sabo Gucci. Tu as compris? Mon sac de course, c'est Michael Kors. La version qui coûte cher. Tu as compris? Voleuse. Je vous ai dit ici hier soir que cette fille, que cette maman, c'est une. Elle a le vol dans le sang. Voler l'a dépassé. Aucun ministre a accepté la recevoir, mes gens. Aucun ministre n'a accepté de recevoir un voutou. Ils disaient que non. Ils ont peur. Personne ne l'a reçu au Cameroun. Personne. Personne ne l'a reçu au Cameroun. Personne n'a reçu Malène Mboutou. Moi, voici, je suis assise sur ma salle à manger. Avec les chaises, avec accoudoir. Hein? Ce n'est pas. C'est comme ça. 331 000, la chaise. Hein? Mboutou, tu as volé les images d'une maison qui ne t'appartient pas. Viens prendre les images de cette maison. Parce que la maison que tu as volée ne vaut rien. Viens prendre les images de la maison de Madame Chapuis. Hein? Rien que la table. Il y a... Attendez, mes gens, je vous montre ma table. Attends, c'est quoi? C'est quoi ça? Regardez le pied de ma table. Regardez. 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 Les meubles italiens. Regardez vous-même la table. Regardez. Une table à plus de 2 millions de francs CFA. Plus de 2 millions. C'est ça qui est ça. Regardez. Regardez mon bahut. Hein, vous, tu as vu le bahut? Tu as vu le bahut? Tu as vu? Tu as vu le bahut? Tu as vu quand tu ouvres? Tac! Tu as vu? Tu as vu? Les assiettes de... Hé, maman! Oh là 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 là! Envoutou, attends, je mets la télé. Envoutou, tu me dépasses, tu me déçois. Je t'avais dit que... Là où c'est là. Tu t'attaques au président Biya. Tu t'attaques à son épouse. Qui n'a rien fait. Qui ne t'a rien fait. Qui ne t'a rien fait. Dieu va t'exposer. Dieu t'a exposé. Et tu as effacé.
Marthe Chopin est où? Dites à Marthe Chopin que j'ai dit qu'elle hein? Qu'elle dise à sa soeur de remettre les images là. Et la, elle a encore. Mais Jean, elle a supprimé l'image, il paraît. Hmm? Ah non, 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 Franck, désolé. Hein. Les meubles italiens, les meubles des grands designers du monde couturier. N'importe où. Les meubles des grands designers. Parce que quand tu prends le meuble, tu confirmes le code. Je connais les prix en Europe. Cette chaise, il y a un montant juste de 40 000 francs CFA de différence. Le prix en Europe et le prix ici, il y a une différence de 40 000 francs par chaise. Ça veut dire que moi qui achète à 331 000 et en Europe, c'est 290 000. L'avantage, c'est que je prends mes chaises, je dépose et je les ai tout de suite. J'ai aucun risque de casse et tout. Et ils achètent, ils transportent, ils ont les risques de casse, ils ont tous les risques. Vous avez compris? Voilà. Et moi? Oui, elle a supprimé. Oh! Mais c'est un ministre qui m'a envoyé, qui m'a dit qu'elle a supprimé. Je t'avais dit que je vais régler le premier de la première dame. Oui, c'est 450 euros. Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est les prix. C'est les prix. C'est les prix. Le baïus, c'est même combien? Je ne sais pas si j'ai enlevé le prix. Je pense que j'ai enlevé le prix. Celui-ci, le bar. Je pense que j'ai enlevé le prix. Rien que le petit bar-ci, c'est plus de 2 millions. Hein? Là où il y a deux, trois trucs là. Plus de 2 millions. C'est du design. Tu payes du design. Il faut que tout ça soit chez toi pour que tu te rendes compte que ta maison est contemporaine. C'est pour ça qu'un photo est parti voler les photos. Mais Jean, c'est un ministre qui m'a envoyé. Il m'a dit qu'elle a supprimé. On est seulement avec. C'est seulement ça que je sais. Ouais, Seigneur. Ce n'est que ça que j'aurai sur toi. Ce n'est que ça. J'ai dit hier que tu habitais un foyer. J'ai dit hier que ton faux blanc, ton faux joli, l'obèse que tu allais ramasser en France, il t'a refusé. Maintenant, le deuxième défi, c'est que je veux te voir avec Jolie. Je veux te voir avec Jolie. Tu as compris ça? Hein? Je veux te voir avec Jolie. Comme tu ne seras jamais avec Jolie, tu habites dans un foyer. Je l'ai dit, parce que je connais la réalité de l'Europe. Même chez ta fille, tu ne peux pas vivre. Chez ta fille, tu ne pourras pas. Parce que ta fille même vend le piment. Et elle vend chez elle. Comment ça va se passer? Donc forcément, il faut que l'État se rende compte que tu es main seule. Non, Franck, Franck, les meubles que j'ai achetés, c'est sorti, c'est l'été 2023. 2023, c'est ça qu'il y a ici dans cette maison. 2023. C'est que quand vous me connaissez, vous confirmez le code. Je ne porte pas n'importe quoi et je ne fais pas dans de la dentelle. C'est ça. Oui. Ouais. Un voutou. Et Ngongwal. Tu vas encore prononcer le nom du président de la République un jour. Tu vas encore prononcer le nom de Chantal Biya. Tu voles les photos. Tu es déjà une voleuse de photos. Où est le général Magnatans? Parfait Mbappé est où? Qui vient ramasser sa grande soeur? La voleuse des photos. Maman, la honte de ça. Je suis chez moi. Je suis chez moi. C'est ça qui est ça. Je suis chez moi et propriétaire chez moi, avec les meubles chez moi. C'est ça qui est ça. Donc le jour que je me fâche comme aujourd'hui, là j'ai mis une Valentino. Pour aller chez le notaire, c'est ça. Tout ce monde mange ici ce soir. Il y aura du porc brisé, du poisson brisé, du bas frais de cribi brisé, gambas fraîches de cribi brisé, porc frais brisé, les saucisses et tout ça, saucisses de bœuf, saucisses de poulet,
Parce qu'il y a des musulmans, il y a deux procureurs qui sont musulmans. Des blettes de viande de bœuf, ça, ce sera à l'apéritif. Et les gâteaux, ça sera là-bas, apéritif, avec mes guéridons là. Parce que le salon que vous voyez là, c'est livré avec les guéridons qui vont avec les gens. Quand je débarrasse les guéridons là, c'est la mort. C'est la mort. Et c'est ça qu'on va souvent partager. Le luxe de ça, le bien-être. Hein? Le bien-être de ça. Aïe! Les vieux vêtements. Elle ne peut pas faire. Elle ne peut pas. Elle vous touche. Je t'avais dit, viens ramasser les habits. Tu as vu dans l'autre chambre, non? Tout ce que. Dès que je sors de ma chambre, je jette là-bas. Ce que je ne porte plus. Dans l'autre chambre, je ne porte plus. Je ne porte plus. C'est ça. Tu as compris avec quoi? Tu es tu es une mauvaise femme. Un voûte, si tu sais ce que je reçois comme cadeau de mon bébé, si tu sais ce que je reçois tous les jours comme cadeau, tu es scandalisé. Tu es scandalisé. Parce que j'ai bon cœur. Parce que je me morbote. Je suis une femme du monde. Je suis une femme qui adore les gens. Tu as tout fait. Tu fais tout pour me rabaisser. Tu fais tout pour me mépriser. Mais la République t'a montré que tu peux dire tout de moi. Tu peux faire tout de moi. Si on décide que c'est moi, c'est moi. La République t'a montré que tu ne vaux rien, que tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Et voilà Dieu qui t'a exposé. Tu voles jusqu'aux photos. Mais j'allais rentrer en Europe parce qu'il n'y a plus moyen de voler. Je vous ai dit hier, Mvoutou a une réputation incroyable. La réputation de Mvoutou fait peur. Elle est arrivée ici, à la CAN qui s'est passée, pas ici, avant ici. Elle a pris 400 000 francs à un mototaxi. 400 000, mes gens. Ngando est témoin. 400 000, elle a escroqué. Elle dit qu'elle a déjà un groupe qu'elle amène à la CAN. Le gars lui a donné 400 000 francs. Vous avez compris? C'est une escroc. Le problème, c'est qu'elle n'a pas, il n'y avait plus moyen d'escroquer. Voilà pourquoi elle a fui pour rentrer, trouver tout moyen pour rentrer en France. Et elle va voler chez qui en France? Elle commence à voler les photos. La photo qu'elle a volée là, c'est pour faire le fait avec. C'est pour faire le fait avec. Tu n'as même pas honte. Tu vas encore ouvrir ta bouche sur la première dame? Jamais. Tu ne vaux absolument rien. Les qui va même te suivre? Les qui vont te suivre? Elle n'est plus. Ouais. Elle a un sérieux problème. Je vous dis qu'elle vous croit à ses mensonges. Elle vous a dit ici qu'elle me porte plainte, qu'on va m'emprisonner et je vais lui payer beaucoup d'argent. Elle fonctionne dans ça. Elle a dit, je vais lui payer beaucoup d'argent. Vous voyez, dès qu'elle pose un acte, elle pense déjà qu'on va lui payer. Parce qu'elle n'a utilisé que son cul toute sa vie pour s'en sortir. Elle n'a utilisé que ses fesses. Elle n'a utilisé que ses fesses. Maintenant, elle a fait le tour ici avec son bâtard métis là. Aucun homme ne l'a regardé. Aucun homme. En tout cas, je prends mon téléphone comme ça là. Je ne peux pas faire trois numéros. Je n'ai pas 500 000 sur mon compte. Si je fais trois numéros et que les trois, j'ai dit les trois premiers numéros qui se décrochent, j'ai 500 000 dans mon OM. Et que je n'ai même pas besoin, ça reste là. Ça reste là. C'est ça. Ça reste là. Tu as compris? Mais toi, tu n'as pas ce problème. Tu n'as pas. Mon morbote, je suis la femme du peuple. Je suis quelqu'un que les gens aiment. Je suis quelqu'un que les gens aiment. Yannick, tu travailles avec la dame qui est là. Hein? Pardon. Après, qu'on apprête les trucs de braise déjà. Parce que ça sera que grillade. Mais on va faire le couscous algérien. Avec la sauce aux légumes, comme tu connais là. Le comment on appelle? La sauce du couscous aux légumes là, non. C'est pas le ragoût. Parce qu'il y a l'agneau braisé aussi. Les côtes d'agneau braisées. Donc, on va faire le couscous algérien. Okay. Voilà. C'est pas le ragoût des légumes, c'est quoi? Comment on appelle la sauce du couscous algérien?
La chimamélu. Vous avez vu, ça, c'est les passe-mèches dessus. Les passe-mèches sont là. Et puis, à l'intérieur, c'est les rastas partout. La ratatouille. Voilà. Tu fais la ratatouille. Et on va manger avec les côtes d'agneau braisées. Le chien est sorti dans la vidéo. Voilà, le tagine. Effectivement, le tagine. Mais il y a une chose dans le tagine que je ne supporte pas, les gens. C'est les trucs blancs, là. Oh, je déteste ça, les pois chiches. Je déteste les pois chiches. Je n'aime pas les pois chiches. Et moi, je vais venir faire les pâtes les macaronis aux champignons avec beaucoup d'ail et le persil. Le persil plat. J'ai trouvé le persil plat. Ça sera... Je vais vous poster le buffet. Mm-hmm. Ah oui, j'aime pas le pois chiche, Irène. Emma, sors les cartons de jus de fruits, là. Vous allez voir ce que le bébé la reçoit. Je vous jure, c'est incroyable. C'est les Barilla. Oh là là, c'est les Barilla, Irène. Aujourd'hui, là, c'est les Barilla. Les Barilla aux champignons. Oh. Oui ou non? Comment encore les bois gâteaux, il y a quand même. Mange donc, toi qui es le papa des gâteaux. Il y a les gâteaux. On a un carton de gâteaux. Je t'ai dit, j'ai donné la moitié à Alain. Les paquets de gâteaux comme ça. Les cartons de gâteaux comme ça. Plein dans le carton. Les cadeaux de Soane. Maman, regardez. Les cartons de chips. C'est le cadeau du bébé. Carton de chips. Carton de chips, je vous dis. En tout cas, vous m'énervez. Mais. Je te dis, après je vais montrer à cet tata et cet enfant. Ça a eu un carton de jus, une auberge de jus. De Belle France. Le jus de Belle France. Hein. Regardez, carton de pain. C'est tout pour le bébé. Hein. Tout pour le bébé que vous voyez là, carton. Toujours pour le bébé. Parce que les gens adorent. Les gens m'adorent. Regardez. Toujours pour le bébé. Toujours pour le bébé. Cet enfant-là, sur son compte, vous ne pouvez pas imaginer. Toujours. Vous ne pouvez pas imaginer. Elle vous touche, je vous ai dit qu'elle vous a besoin de délivrance. Et pour qu'elle soit délivrée. Carton Julien. Ma chère, il y a deux là. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que et moi, après, tu prends, tu te fais les cartons, tu m'offres. Pour ce soir. Quoi? On est Instagram. Veux-tu venir? Veux-tu venir envoyer les... Nous, nous sommes les villageois de Facebook. Sur Instagram, elle est allée choper les photos. Non, Tatiana. Non. Hein? Il y avait encore deux cartons. Il y a le carton, non? La personne a apporté six cartons de jus. Six. Deux cartons de gâteau. Un carton de jus. C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Sans voir, compter l'enveloppe. Après tout, c'est la dernière enveloppe.
Non, je l'accepte. Avant que... Non! Quand on vient rendre visite au bébé, on donne les chips, on donne les gâteaux, les boissons, c'est pour recevoir les gens qui aiment. Je reçois tellement de visites pour le bébé. Je reçois tellement de visites pour ce bébé. Ce bébé est adorable, c'est le rayon de soleil, quoi. Le rayon de soleil. Un vautour. On ne se lève pas sur toi. On ne se lève pas sur toi. Tu as compris? On ne se lève pas sur toi. Ne couvre pas. Et vous doit tout supprimer. Dieu t'a exposé, t'a dit. Tous ceux qui ont, se sont attaqués au président Biya sont presque morts. Tous ceux qui se sont attaqués au président Biya sont très mal finis. Non, c'est les chips, c'est pas les chips du bébé. Le bébé ne prend pas les chips. C'est pas les chips du bébé. C'est plus de ceux qui gardent le bébé et ceux qui viennent rendre visite pour le bébé. Dès que quelqu'un vient, j'ouvre deux paquets, je mets dans l'assiette, je mets les gâteaux, je mets le jus. S'il veut boire du whisky, on donne. Il veut boire du vin, on donne. Et tu, vous aussi. Soit 6 lignes prochaines. Non, ça va. Ça va. N'aïe, je ne sais pas. Wow. Voilà. Maman, mes gens, je ne savais pas qu'une vieille femme pouvait faire des choses comme ça. Je ne savais pas qu'une vieille femme pouvait commettre des choses comme ça. Oui, c'est une Valentino. Attendez, je prends mon chargeur. Je ne savais pas qu'une vieille femme pouvait faire des choses comme ça. Oh. Je vous dis. Je ne pouvais pas imaginer. Je ne pouvais pas imaginer, mes gens. Hein, vous tous, c'est toi qui peux voler les images. J'ai dit que tu es au foyer. Et c'est logique que tu sois aujourd'hui au foyer. Tu sais pourquoi tu es au foyer? Parce que tant qu'on n'a pas, tu n'es pas allé au foyer, il n'y aura aucune pression morale pour la France en tant que mère d'enfant seul. Tu as compris? Jusqu'à elle a dit que c'est la photo de Jolie. Maman, un petit gars comme ça, peut-être qui fait une chimiothérapie, il y a même la couronne du monde en bas. Elle ne s'est même pas rendu compte qu'en bas se trouvait la couronne du monde. Elle ne s'est pas rendu compte qu'il y avait la couronne. Hein? Elle ne s'est pas rendu compte que en bas de cette photo, il y a une couronne. Elle n'a même pas honte. Elle n'a même pas honte. Je t'avais dit que tu t'attaques à la première dame, je suis sur toi, jusqu'à ce que le ciel a dit. Madame Chapuis, tu n'as même pas besoin de trop de peine. On va finir avec elle. Et si cette femme a encore le courage de faire un live, c'est que il faut l'amener à l'hôpital. Il faut l'amener à l'hôpital. Voilà, c'est comme ça qu'elle elle a menti toute sa vie que le professeur Gervais Mendoza était son père. Hein. C'est, elle est comme ça. Dès qu'elle commence un mensonge, mes gens, elle s'accroche dessus. Quand elle allait en prison, le professeur Gervais Mendoza, sa mère est partie, le voyez, elle a donné 3 millions sur 35 millions qu'elle avait escroqués. 3 millions. Que Gervais Mendoza avait donné pour elle, pour l'aider. Il était très mal. Parce que c'était un homme pieux, un homme qui avait du cœur, qui aidait. Et il n'en revenait pas qu'un être humain puisse escroquer 35 millions aux parents, aux pauvres parents.
Et c'est là où j'avais Mendoza ne voulait plus jamais la voir, ni elle, ni sa mère. Et vous, tu racontes quoi? Nous, moi, je suis avec les autorités ici, qui connaissent bien toutes ces histoires-là. Depuis que tu es sorti de prison, tu ne t'avais plus jamais reçu. Il ne t'avait plus jamais reçu. Tu as purgé ta peine. Lui-même, étant au gouvernement, n'a même pas pu broncher qu'on te diminue, ne serait-ce que le nombre d'années. Tu as purgé tes 4 ans. Net. Il n'a rien intervenu du tout. Et toi-même, tu sais qu'il était dans, il avait le pouvoir. Tu viens parler de la première gang. Il n'assistait comme toi. C'est encore mon mari qui te paye. C'est encore mon mari qui te paye Je vous ai dit que la couverture qu'elle filme souvent là, quand elle est dans le noir, qu'elle fait le live, la couverture là, c'est la couverture de Emmaüs, de la Croix-Rouge. Quand je vous dis des choses, il faut croire. C'est la couverture de la Croix-Rouge. La couverture que la Croix-Rouge donne souvent dans les foyers. C'est avec ça qu'elle se couvre. Tu viens par ailleurs, Madame Chapuis. Tu as vu la maison de Madame Chapuis. Oh, ah. Tu as vu la maison de Madame Chapuis. Une maison meublée à 22 millions de francs. 22 millions. Sans électroménager. Sans électroménager. Comme ça, le salon jusque dans ma chambre, c'est 22 millions, ma. Tu as compris, hein? 22. Quand tu viens me parler, tu peux me parler, tu es qui, tu as quoi? Tu as quoi? Tu n'es rien. Avec ton français de Google que tu as appris pour mentir les gens avec. Mon Dieu Seigneur. Ouais. Merci Seigneur. De m'avoir donné ce fouet. Et vous tout, dès que tu vas monter ta tête, je poste la maison là. Et je fais partager ça dans tous les groupes. Ta fausse crédibilité est terminée. Maintenant, tu peux tout dire sur la première dame, tu peux tout dire sur le président Paul Biya. C'est parce qu'on sait que tu n'as pas de maison, tu n'as pas où dormir, tu es sous le foin en hiver. Tu comprends, tout le monde comprendra ça. Je vais poster tout à l'heure ce que le ministre m'a envoyé. Emma, où est l'autre téléphone? C'est sur celui-là qu'on a envoyé ça. Attendez, je vais vous dire. Quand on vous dit que la pile est finie, vous croyez que c'est la blague? Vous savez que ce matin, c'est avec ce téléphone que j'ai envoyé dans le groupe, non? Dans le groupe de Hélélé. Des bonbons. Voilà. Non, le ministre a envoyé ici, là. Il a envoyé ici, sur ce numéro. Sur mon numéro. Sur ce numéro. Dès qu'il finit, là, il va te poster ça. Que tout le monde est en train de chercher le nom de ta maladie. Quand c'est les ministres, tes frères, boulou, comme toi, qui disent ça de toi, c'est malheureux. Tout le monde te hait. Tout le monde te déteste. Tout le monde te déteste. Et sache que dès qu'on t'a déjà vu à côté de la première dame, si tu es attaqué, la personne qui t'attaque sera écrasée. C'est ça, bien ça. Et toi, tu le sais d'ailleurs. Tu le sais. Tu sais ça. Ok, mes gens. Je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille donner un coup de main à la cuisine. Waouh, vous êtes encore 256. Je ne pourrais pas être avec vous, mais je vais poster. Je vais poster le buffet, je vais poster les choses, je vais poster tout ce que je vais faire ce soir. Je vais poster les dos des convives. Je ne vais pas poster les visages, mais les dos des convives. Et Malène et Mboutou. On est au Cameroun. Il fait 33 degrés là maintenant à l'extérieur. 33 degrés. Tu dis masque Bamou. Je suis en vrai le masque Bamou. Masque Bamou qui a sa vie en or. Qui tourne sans à l'heure.
Pauvre femme. À coup quand même, les gens. Ouh, sa copine à Belgique a fait quoi, ma? Donc, le seul fils de Bia, c'est Junior. Le père de Brenda, c'est Roger Yemde. Et vous te croyez que c'est propre? On s'en fout. On s'en fout. Elle dit que le père de Brenda, c'est qui? Roger qui l'a. Elle croit que tout le monde est comme elle, qui ne connaît pas le père de ses enfants. Il n'y a aucun enfant de Paul Biya qui l'a ressemblé comme Brenda. Tu as compris? Aucun enfant du président Paul Biya ne ressemble à Paul Biya comme Brenda. Va raconter le fruit de tes fesses là très loin. Va raconter ça très très loin. Parce que tous tes six enfants n'ont pas de père. N'amène pas ça sur la première. Tous tes six enfants n'ont pas de père. Même la sixième, qu'on croyait quand même que le fait d'être métisse, elle a quand même un père. Il a refusé quand elle est arrivée en Europe. Te voilà qui traîne avec elle. N'amène pas ça et tu dis pardon. Brenda, c'est la photocopie de son père. Oh, ah, tout le monde. Ça dit que c'est une ressemblance scandaleuse. Va avec ça très très loin. Va avec ça très très loin. Pardon. Pardon, va avec ça très très loin. Mais j'en vous ai parti voir la publication de d'Angola. Vous êtes allé voir sa publication, vous allez rire fatigué. Aurore Angola, vous n'êtes pas allé sur sa page. Et Mvoutou, tu es une misère. Allez, gros bisous à vous. Mvoutou, tu es une misère. Bye bye.